Now, I want to now share with you je veux partager avec vous on this very important subject, amplify your ministry with miracles and manifestations of the Holy Spirit. C'est un sujet très important, amplifier votre ministère par les miracles, les manifestations du Saint-Esprit. Let us just read one verse. I'm just reading one verse. On va lire un verset. Luke 4:18. Luc 14, verset 18. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor and has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and the recovering of the sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Luc 4, verset 18. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Amen. Everybody say miracles. Tout le monde dit miracle. Say miracles. Dites miracle. Say manifestations. Dites manifestation. Of the Spirit. De l'Esprit. Amen. Amen. Now, one thing, une chose, that will transform your ministry, qui va transformer ton ministère, completely, complètement, is miracles, ce sont des miracles, and manifestations, et des manifestations, of the Spirit, du Saint-Esprit, and they are both equally important, et ils sont également important. Some people just have manifestations. Certains ont juste les manifestations of the Spirit. De l'Esprit. And some people just have miracles. Et certains ont simplement les miracles. And some people have none. Et certains n'ont rien du tout. But it is important. Mais il est important that you realize que de se rendre compte that your ministry will change most dramatically. Que ton ministère sera transformé de manière dramatique. Through miracles and manifestations of the Spirit. Par les miracles et les manifestations du Saint-Esprit. Again. Encore. When you don't have something. Quand tu n'as rien, tu n'as pas quelque chose. Or there is a part in the Bible that doesn't seem to apply to you. Où il y a une partie de la Bible qui ne s'applique pas dans ta vie. Don't speak against it. Ne parle pas contre cette chose. And don't say it is not true. Et ne dis pas que ce n'est pas vrai. Just read it quickly. Il faut juste le lire vite. Make a little comment and go on. Fais un petit commentaire et avance tranquillement. Amen. Amen. And God will help you. Et Dieu va t'aider to discover it. À le découvrir toi-même. Amen. Amen. There is one thing that really changed my entire ministry, and that was miracles and manifestations of the Holy Spirit. Il y a une chose qui a transformé complètement mon ministère, ce sont des miracles et les manifestations de l'Esprit. Amen. Amen. And I want to encourage everybody. Et je veux encourager tout le monde to really decide that you want your ministry to include miracles and manifestations of the Spirit. De vouloir que votre ministère ou ton ministère ait les miracles et les manifestations de l'Esprit. Yeah. Even if you don't have even one miracle in your whole life, doesn't matter. Même just si, start by accepting it that you want it. Même si ça n'existe pas dans ton ministère et tu n'as pas de miracle dans ton ministère, commence par le vouloir, par en voulant recevoir le miracle. Amen. Are you listening to me? Est-ce que tu m'écoutes? Are you listening? Est-ce que tu m'écoutes? How many want to have miracles in combien your ministry? De personnes veulent avoir des miracles dans son wow. ministère? I always looked at miracles and I wondered, I said, Lord, when am I going to have miracles? J'ai toujours regardé les miracles et demandé au Seigneur, quand est-ce que moi aussi there j'aurai no, des miracles? Because you have to compare yourself with Jesus. Tu dois te comparer à Jésus-Christ. Did Jesus have miracles? Est-ce que Jésus-Christ avait des miracles? As for me, I'm always comparing myself with Jesus. Moi, je me compare toujours à Jésus-Christ. Not that I'm comparing, but like I'm looking at Jesus as the marking scheme. This is how you're supposed to be. Pas pour comparer, mais pour regarder comme modèle. Est-ce que je suis
est-ce que j'atteins un peu de ce qu'il fait? Jesus performed miracles without singing, I am the Lord that healed thee. Jésus-Christ, il faisait des miracles sans chanter. Je suis celui qui te guérit. So when I look at myself singing, I am the Lord that healed thee. Quand je me regarde en train de chanter, je suis celui qui te guérit. I say, no. Je me dis non. I'm not in the ministry of Jesus yet. Je ne suis pas encore au niveau de Jésus-Christ, dans le ministère de Jésus-Christ. Yeah. Oui. I am the Lord. Daddy, before there can be a miracle. Avant qu'il n'y ait un miracle, avant qu'on puisse avoir un miracle, je dois chanter. Not with Jesus. Non, Jésus n'a pas fait ça. He walked into somebody's house. Il entre chez quelqu'un. And say. Et il disait. Let the people go out. Que les gens quittent la chambre. And he said to the child, et il dit à l'enfant, young lady, jeune fille, demoiselle, I say unto thee, je te dis, arise, get up, lève-toi. Wow. Then I look at myself. Et je me regarde. No. It's unfortunate. So I am determined to have miracles without singing. Je suis déterminé. J'ai une résolution d'avoir des miracles sans chanter. I'm determined. Without singing, c'est une résolution. Je ne veux pas chanter. Miracles which occurred not at a crusade ground. Et puis avoir des miracles qui n'aient pas lieu pendant la croisade. Miracles in people's houses. Des miracles chez les gens. I'm just looking at Jesus and I can see I'm an unfortunate misrepresentation of how Jesus was. Je regarde le modèle de Jésus et je vois que je suis une malheureuse représentation de ce que lui il est. This way of thinking will take you going forward. I'm telling you. Et c'est cette manière de penser qui va vous pousser pour aller de l'avant. Instead of staying in your old dimension. Au lieu de rester dans cette ancienne dimension. Where you are so different from Jesus. Tu es tellement différent de Jésus. Look, I was a pastor. I had a church with a cathedral. I had never seen one miracle in my life. J'étais pasteur d'une grande église, une cathédrale où je n'avais vu aucun miracle dans mon ministère. I never prayed for the sick. Je n'avais jamais prié pour les malades. I never saw any manifestations. Et je n'ai pas vu de manifestation. No one ever fell down. Personne n'est tombé. In my church. Dans mon église. No one ever rolled on the ground. Personne roulait par terre. When in the ministry of Jesus. Mais quand dans le ministère de Jésus-Christ. People were screaming. Les gens hurlaient, criaient. And the spirit tear him. L'esprit le jeta par terre. And he fell to the ground. Et il tomba par terre. And wallowed. Et il roulait. Which means rolled. Il roulait. Foaming at the mouth. Écumait à la bouche. And Philip went down to Samaria. Quand Philippe est descendu en Samarie. And preached Christ unto them. Et il a prêché Christ. And the people gave heed to the things which Philip said. Les gens écoutaient ce qu'il a dit. Both seeing and hearing the miracles which he did. Ils ont vu et ils ont entendu les miracles qu'il a fait. For unclean spirits. Par les esprits impurs. Crying. Criant. With a loud voice. Avec une autre voix. Came out of them. Et ils sortaient d'eux. That were possessed with them. Qui étaient possédés. That's what the Bible says. C'est ce que la Bible dit. What about me? Et moi alors? What about you? Et toi alors? What about us? Et nous alors? Huh? We call ourselves reverend pastors. Nous nous appelons les pasteurs, les révérends. Let us not be angry with the Bible. Ne soyons pas en colère contre la Bible. Let us accept that we are far, so we must rise somehow, get there. Acceptons que nous sommes très éloignés et nous devons nous lever pour arriver à ce niveau. Yes. Wow. Wow. I wanna be more like you. Je veux être plus comme toi. Jesus. Jésus. I wanna be more like Jesus. Je veux être comme Jésus. I wanna be a vessel you work through. Je veux être un instrument utile à toi. Je veux être comme toi. Can you sing it? Est-ce que vous pouvez chanter? I wanna be like Jesus. I wanna be more like you. Oh Jesus. I wanna be more like Jesus. I wanna be your vessel. Je veux être un instrument utile à toi. I wanna be more. I wanna be like Jesus. Je veux être comme Jésus. I
I wanna be more like you. I wanna be more like Jesus. Je veux être comme Jésus. I wanna be more like you. I wanna be more like Jesus. I wanna be a vessel that you work through. I want to be like Jesus. Je veux être comme Jésus. Yeah. And Jesus was different from the way we are. Et Jésus était différent de ce que nous sommes aujourd'hui. One of the main things Jesus did was casting out of devils. Une des choses principales que Jésus faisait, c'était de chasser les démons. No prophet in the Old Testament cast out devils. Il n'y a aucun prophète dans l'Ancien Testament qui a chassé des démons. It was one of the signals. C'était un des signes. Of signal, the coming of Christ, de l'arrivée de Jésus-Christ, casting out of devils, de chasser les démons from people, des gens. Wow. I mean, Elijah didn't cast out devils. Élie n'a pas chassé les Elijah démons. Didn't cast out Élisée devils. N'a pas chassé les démons. Daniel, Hosea, Daniel, Ezekiel, Ezekiel, Isaiah, Isaïe, Malachi, Malachi, none of them cast out devils. Aucun d'entre eux ont Your chassé Jesus des démons. And my Jesus. Ton Jésus et mon Jésus. Cast out devils. Oh, il a chassé des démons. Your Jesus and my Jesus. Ton Jésus et mon Jésus. Cast out devils. A chassé des démons. From people. Des gens. They believed in devils. Et ils croyaient au diable. They knew they were real. Ils savaient qu'ils existaient. What about us? Et nous aujourd'hui? What about us? Et en ce qui nous concerne? Yeah. Where are the miracles? Où sont les miracles? Where are the healings? Où sont les guérisons? What do we criticize? Why do we? Why would you criticize somebody like Benny Hinn? Why? Pourquoi tu devrais critiquer quelqu'un comme Benny Hinn? Pourquoi? Why? Pourquoi? Have you ever prayed for somebody before? Est-ce que tu as déjà prié pour quelqu'un? Have you ever been bold enough? Est-ce que tu as déjà osé? To risk the disgrace. De courir cette honte. Of people, le risque de la honte. Of people not being healed, the disgrace of people not being la healed. La honte de ne pas avoir quelqu'un guéri. Have you ever risked? Est-ce que tu as déjà couru le risque? Stepping out. De prendre le pas. By faith. Par la foi. Yeah. Wow. But there's going to be a great transformation. Mais il y aura une grande transformation. And through miracles. Et par les miracles. We can reach the world for Jesus Christ. Nous allons atteindre le monde pour Jésus-Christ. Hallelujah. 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 One of the most difficult upward steps for me was to move from just being a teaching person into the miraculous realm. Une des étapes les plus difficiles pour moi de monter, c'était d'être transformé de quelqu'un qui enseignait à quelqu'un qui faisait des miracles, entrer dans le royaume ou la règne des miracles. Yeah, very difficult. But every one of you who is here to serve God, mais nous qui sommes là I want pour servir you to have Dieu, in your mind, nous devons avoir en esprit. The Spirit of the Lord is upon me. Que l'Esprit de l'Éternel he est sur anointed nous. Me il nous a, il to m'a preach. Pour prêcher. That is only number one. C'est la première chose. That's only number one. C'est seulement la première What chose. About number two? Et to la heal. Deuxième, pour guérir. What about healing? Et guérir. Wow. Wow. What about deliverance? Et aussi la délivrance. What about opening of the sight et aussi to the blind? Le recouvrement de la vue. What about setting at liberty those who are bruised. Et renvoyer libre les opprimés. What do you have to offer? Qu'est-ce que tu as à offrir? We donner? Must have something more than a little teaching. Nous devons avoir quelque chose un peu plus que l'enseignement quand we même. We must have something more than a little teaching. Nous devons teaching. Avoir un peu plus que l'enseignement. Wow. Wow. When I was in Senegal. Quand j'étais au Sénégal. They said ils ont dit, a grand marabout has come to ils ont dit qu'il y a un grand marabout qui est entré en ville. Marabout is a magician. Un marabout, c'est un magicien. I was seen as a magician. On m'a vu comme un magicien. Wow. Wow.
Every pastor should be seen as a kind of magician. Tous les pasteurs doivent être vus comme une sorte de magicien. A Holy Ghost anointed magician. Un magicien oint de l'Esprit Saint. Hallelujah. Yeah. Oui. Look, when you go to people, quand vous allez chez les gens dans ce monde, and you tell them the Bible says, et vous dites, la Bible déclare, they also lift another book. Ils vont aussi soulever un autre livre. And say, this one also says. Ça aussi dit. Yeah. Oui. You lift the Bible, they will lift another book and say, this one says this also. Tu prends la Bible, ils vont soulever un autre livre pour dire, ça, c'est écrit ici aussi. It is because we are not reaching out. C'est parce que nous ne sommes pas en train d'atteindre certaines personnes. Then when you say Jesus Christ is the Savior, they will also say this other one is also quand on dit Jésus-Christ est le Sauveur, ils vont dire lui aussi il est aussi un Sauveur. That's how the world is becoming more like that. Le monde devient plus comme ça. So you have to decide. Donc tu dois décider that you are going to become que tu vas devenir like comme a magician, un magicien, a spiritual magician, un magicien spirituel, the magic of miracles, la magie des miracles, manifestations, les manifestations of the Holy Ghost, du Saint-Esprit, are going to be part of your life and your ministry. Ta vie et de ta Hallelujah! Ministère. One day, un jour, a certain young man, un certain jeune homme, became mad. Il est devenu fou. And they were taking him to the hospital. Et on l'envoyait à l'hôpital. To the mental hospital. À l'hôpital psychiatrique. But before, mais avant, they said, let's call brother Dag. Ils ont dit, appelons le frère Dag. You shall be, they will call for you. Ils vont t'appeler, ils vont t'appeler. They are going to start calling for ils you. Ils vont commencer à part t'appeler. In Jesus' name. Au nom de Jésus. I said they are going to start calling for j'ai you dit, first. Ils vont commencer par t'appeler, toi. Hallelujah. Hallelujah. Let's call brother Dag. Appelons le frère Dag. When I got there, quand je suis arrivé, we held hands on a and pris la prayed. Main et on a prié. As soon as we prayed, dès qu'on a prié, the demon in the boy, le démon qui se trouvait dans ce garçon, who was about to be taken to the mental qui était hospital, sur le point d'aller à l'hôpital psychiatrique, started shouting. Il a commencé à crier. I'll come out. Je vais sortir. I'll come out. Je vais sortir. I'll come je out. Je vais sortir. Wow. Wow. So I said, where will you go? Et j'ai demandé, tu vas partir où? And the demon pointed at one of the brothers who was standing. Et le démon a pointé le doigt à un frère qui était I'm à going côté. To this guy. Il a dit, je vais entrer là. And the hand was shaking like et this. Et la main tremblait comme ça. This guy. And I said, no way. J'ai dit, jamais de la vie. You are not going there. Tu ne vas pas là-bas. So I said, where else will you go if you don't go to this boy? Et j'ai demandé, tu vas aller où si tu ne entres pas dans ce garçon? And the spirit said, et l'esprit a dit, I will go into some chickens that are outside. Je vais entrer dans quelques poules qui se trouvent dehors. And there were chickens outside. Et il y avait des poules dehors. There were no pigs. Il y avait pas de cochons. So those of you who don't eat pork, you have to add chicken now. Pour ceux chicken as qui well. Ne mangent pas le porc, il faut aussi ajouter le poulet. Yeah. There are a lot of demons in animals. Il y a beaucoup de démons qui se trouvent dans les animaux. A lot of demons, beaucoup de spirits démons, in animals. Des esprits démoniaques dans les animaux. Because Jesus cast devils and they went into the pigs. Parce que quand Jésus a chassé les démons, ils sont entrés dans a les lot pourceaux. Of animals are hosts for demons. Et les animaux sont des hôtes, ils sont des gardiens, ils gardent des démons. That is why you have to pray. Voilà pourquoi il faut prier sur le repas avant de manger. Just pray. Faut prier. In case it has been a host of a demon. Just au cas où ça a été le récipient d'un démon. Yeah. So I said to the spirit. Donc j'ai dit à l'esprit. Come out. Quitte. And immediately. Et immédiatement. Instantly. Instantanément. The boy. Became normal. I couldn't see the spirit coming out. Je n'ai pas vu l'esprit sortir, mais. But I was holding his hand. Mais je tenais la main du garçon. And immediately. Immédiatement.
his mind became clear. Son esprit était and devenu clair. He pulled my hand. Il a pris ma main. And he said to me, il m'a dit, where am I? Où suis-je? What are we doing here? Qu'est-ce que nous faisons ici? And I said, there were some demons we are praying about. And he said, me? Demons? Il a dit, no, I don't have demons. Je lui ai dit, il y avait des démons et on priait. Il a dit, qui? Moi? Je n'ai pas de démons. I said, you be quiet. Il a dit, calme-toi d'abord. So we held hands, donc especially the brother whom the demons were going to go into. He was really scared. Surtout le frère que le démon voulait entrer d'abord. Il avait très peur. And we prayed powerfully. Et on a prié puissamment. And the boy was normal. Et le garçon était normal. Hallelujah. It must be part of our ministry. Il faut que ça fait partie de ton ministère. Manifestation. Les manifestations. Of the Holy Spirit. Du Saint-Esprit. Miracles. Des miracles. Wow. Wow. All the miracles of Jesus. Tous les miracles de Jésus. I want you to desire each one. Je veux que tu les désires. I want you to desire eye miracles. Je veux que tu désires les miracles des yeux. Can it be possible? Est-ce que c'est possible? Miracles of the eye. Les miracles des yeux. I could not see, but I can see. Je ne pouvais pas voir, maintenant je vois. I could not see, but I can see. Mais je ne pouvais pas voir, maintenant je peux voir. You have to believe in such Il things. Il faut croire aux choses comme ça. You must believe in miracles of the mental faculties. Il faut croire aux miracles des facultés mentales. You must believe in healing of madness. Il faut croire à la guérison de la folie. Madness is an evil spirit. La folie, c'est un mauvais esprit. The demons. Look, one day I was on stage. Un jour, j'étais sur. There was a mad woman. L'estrade, il y avait une folle. Dr. Ogo will remember this lady. Dr. Ogo va se rappeler. He knows what I'm maybe going to say. Her daughter came and said, "My mother is mad." Sa fille est venue dire que ma mère est folle. The mother said, "Listen, I am not mad." La mère a dit, "Écoute, je ne suis pas she folle." She said, "A bird flew into it came into my ear and it is in my head." Je ne suis pas folle, mais un oiseau est entré et volé dans par mon oreille et il est resté dans ma tête. Yeah, she said, "It is in my." She said, and then the girl said to us on the side, "My mother is mad." And she turned to her mother and she turned to her daughter and said, "I am not mad. I am a nurse. I know what I'm saying." I said, "The thing flew into my head. It is in my head." La fille nous disait à côté, "Ma mère est folle." Et la femme s'est tournée vers sa fille. Elle a dit, "Je ne suis pas folle. Je suis infirmière. Je sais de quoi je parle. L'oiseau est entré par mes oreilles et il est resté dans ma tête." They are real things. Ce sont des choses vraies, des vraies choses. Our ministry, not ministère, is to be transformed, sera transformé, amplified, amplifié, amplified, amplifié, by miracles, par les miracles, of madness, de la folie, being healed, qui sont guéris, miracles of women, les miracles des femmes. Every pastor has a lot of women in your church. Tous les pasteurs ont beaucoup de femmes dans leur église. All the women are having women problems. Toutes les femmes ont des problèmes de femmes. You see, one day a gynecologist told me, he said, "There is money in the pelvis." Il a dit, un gynécologue m'a dit, il y a de l'argent dans le pelvis. Is this part? This part of it. Va ventre de la femme. Okay. Said there's money, is gold. So as a gynecologist, c'est they get un a lot gynécologue of, qui me l'a dit. As a gynecologist, they get a lot of money from the problems that a woman has over here. Ils ont leur argent par les problèmes que les femmes ont au bas ventre. Yeah, but a pastor. Mais un pasteur, you are not looking for money, but there will be a lot of things God can use you to solve nous in ne this cherchons, place. Nous ne cherchons pas l'argent, mais il y a beaucoup de choses que Dieu peut utiliser. Receive the grace. À résoudre. You will be more than a spiritual tu gynecologist, seras, I tell you. Tu seras plus qu'un gynécologue spirituel au nom de Jésus. People who cannot have children will have children les in your ministry. Les gens qui ne peuvent pas avoir des enfants auront des enfants au nom de Jésus.
I went for a crusade once. Je suis allé faire une croisade une fois. There was a man who used to travel with about 40 women. Il y avait un homme qui voyageait avec à peu près 40 femmes. Who could not have children but have had children, miracle children through his ministry. He goes with them and they testify. When he all the women are there, they come. I couldn't have a child. This is my child. I couldn't have a child. This is my child. Miracle after miracle. I saw him with all the women. C'était des femmes I see you with your women qui ne pouvaient pas accoucher. Yeah. Mais quand il voyageait, il partait partout avec ses femmes pour qu'elles rendent témoignage de Hallelujah. Ce que Dieu avait fait. Hallelujah. 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 One day a man came to see me. He said, we cannot have a child. Un jour un homme est venu me voir. Il m'a dit, on ne peut pas avoir un enfant. And I gave him a word. Et je lui ai donné une parole. I said, go home and do this. Je lui ai demandé, va à la maison et fais ça. He went home. Il est rentré chez lui. He did what I et said. Et il a fait ce que j'ai demandé. He gave birth to a baby. It was one of the first children that was named after me, Dad. Et ils ont accouché un garçon et c'était un des said, premiers enfants qui ont pris mon prénom, Dag. I'm calling my son Dag. Et il dit, je vais appeler mon fils Dag. Because through you, I had this child. Parce que c'est à travers toi que j'ai I eu cet enfant. See that, and you see, when Jesus saw the woman with the issue of blood, quand Jésus a vu cette femme avec le problème de la perte du sang, the ministry to women problems. Le ministère pour les femmes avec des problèmes. The woman was bleeding for 12 years. Elle saignait pendant 12 ans. You see, you think that it is natural. Toi, tu penses que c'est naturel. But remember, Job. Mais souviens-toi que Job, the devil told God, allow me to touch his body. Le diable a demandé à Dieu, permets-moi de le toucher. Let me touch his body. Je veux toucher son corps. And God said, huh, I didn't want to do this. Je ne voulais pas faire ça. But I will allow you. Je vais permettre. But mais not with a sickness that can kill him. Mais pas avec une maladie qui peut le tuer. The next day, le lendemain, his disease started. Ses maladies ont commencé. Multiple boils. Des ulcères. What condition is this, doctor? C'est quelle multiple condition? Quelle swellings. It can be what? Multiple. What diagnosis? C'est quel diagnostic what are the possible diagnoses? Multiple little tumors. Des petites tumeurs, ulcères partout. Septicemia from immunosuppression. Septicemia from immunosuppression. Likely from diabetes mellitus, type 1 or type 2. Wow. Diabetes, viral condition, anything that lowers your immunity, your resistance. Tout ce qui fait baisser votre résistance. Can give you anything that lowers your immunity. Brings down your resistance. Can make you have multiple boils. So when somebody goes to the hospital with a lot of boils. Quand quelqu'un part à l'hôpital avec beaucoup de ulcères. They check mainly for HIV or diabetes. Ils cherchent d'abord pour le VIH ou le diabète. Yeah. As soon as Satan touched Job, he developed this condition the doctor is septicemia from dès que Satan a touché Job, il a développé cette condition. Immunosuppression with septicemia leading to superficial boils. Yes. Swellings. Carbuncles, furuncles. Wow. God has called you. Dieu t'a appelé. Your hands. Tes mains. Your hands. Tes mains. Powerful hands. Sont puissantes. Powerful hands. Sont puissantes. Powerful hands. Tes mains sont puissantes. When you touch. Quand tu there touches, will be healing. You have there will be miracles. You have a miracle. There will be power. You have la puissance. Receive it in the name of Jesus. De Jésus. Thank you. Orthopedic diseases. Des maladies de l'orthopédie. God is anointing you. Dieu est en train de toindre. For healing. Pour la guérison. Of legs. Des jambes. That cannot walk. Qui ne peuvent pas marcher. Wow. Wow. Remember the man who was carried by four of his friends. Souviens-toi de l'homme qui a été porté par quatre amis. He couldn't walk. Il ne pouvait pas marcher. Came to Jesus. Il est arrivé voir Jésus. Jesus says, "Take up your bed." Jésus a dit, prends ton lit. Rise up. Lève-toi. And walk. Et marche.
It's going to happen in your ministry. Ça va t'arriver dans ton ministère. It's going to happen in your ministry. Ça va arriver dans ton ministère. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. One day, un jour, a man came to our crusade. Un homme est venu dans notre croisade. He came with 38 people. Il est venu avec 38 personnes. In a bus. Dans un bus. He came on stage. Ils ont monté les strates. I said, who is this? J'ai dit, mais c'est qui? They said, this man was at another crusade. Cet homme était dans un autre, il a assisté à une autre croisade. He could not walk. Il ne pouvait pas marcher. He was carried there. Il a été porté pour arriver là-bas. He was healed at that crusade. Et il a été guéri à cette croisade. He has hired a bus. Il a loué un bus. With 38 people. Avec 38 personnes. And has found the next location where there was a crusade. Il a trouvé le là où tu feras la croisade suivante. Come and say thank you. Pour venir te remercier. Wow. He could not walk. Il ne pouvait pas marcher. God is going to use you. Dieu va t'utiliser. God is going to use Dieu you. Va t'utiliser. People will walk. Et les gens marcheront. They will walk in your ministry. Les gens marcheront dans ton ministère. They will walk in your ministry. Les gens marcheront in dans ton Jesus ministère. Name. Au nom de Jésus. Listen, your days of being a school teacher are écoute, over. Écoute, les jours de l'enseignement. Your days of being an administrator pastor are over. Les jours de your days of being a motivational speaker are over. Les jours d'être un orateur simple. Your days of being an unanointed school teacher lecturer is over. Les jours d'être un enseignant sans onction est fini, sont finis. Instead of PowerPoints on a computer, we want miracles and manifestations. Au lieu de points sur le PowerPoint, sur l'ordinateur, on veut des miracles, on veut des manifestations. Yes. Instead of PowerPoints and computerized presentations. Au lieu de présenter des choses sur l'ordinateur par PowerPoint. Let there be some miracles. On veut des miracles. Of orthopedic miracles. Des jambes qui sont guéries. Skin diseases will be healed les in your ministry. Les maladies de la peau seront guéries. Leprosy. La lèpre. In the ministry of Jesus. Dans le ministère de Jésus. Lepers were healed. Les lépreux étaient guéris. Lepers were healed. Les lépreux étaient guéris. Skin diseases. Les conditions de peau. Will be healed in your ministry. Seront guéries dans ton ministère. Do you believe it? Do you believe crois? It? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Yes. Oui. Skin conditions. Des conditions de peau. Dermatological conditions. Des conditions dermatologiques. Will be healed. Seront guéris. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. God is anointing you to do great works. Dieu est en train de t'oindre pour faire des grandes œuvres. Yeah, you are going to enjoy the ministry from now. Tu vas te réjouir dans le ministère. I said you are going to enjoy the ministry from now. Tu vas mieux apprécier le ministère à partir wow! de maintenant. It is going to be more exciting for you. Ça sera beaucoup plus excitant pour vous. You see, when you are preaching, quand vous prêchez, and you have 7 points, quand tu prêches, tu as 7 étapes. It is easy. C'est facile. From one point, you go to the next. D'un point, tu suis, tu continues au point suivant. From the next to the next. Et au suivant jusqu'au suivant. But to have miracles, mais pour avoir des miracles, that one you have to put your points aside. Ça, il faut mettre de côté les points. And God's power has to be et there. La puissance de Dieu doit être présent. Yes. Oui. It changes the whole ça meeting. Change l'atmosphère de la réunion. It changes everything. Ça change tout. You see that you are under a pressure that you've never been under tu before. Tu verras que tu es sous une pression que tu n'as jamais expérimentée. God is going to use you. Et Dieu va t'utiliser. In the ear, nose and throat department, the deaf and the dumb. Dans le département will speak in your service. Les sourds vont receive entendre it in the name of Jesus. Les sourds vont entendre dans les cultes au nom de Jésus. Say I receive it. Dis je le reçois. I receive it. Dis je le reçois. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The deaf and dumb will speak. Les sourds vont mieux parler. Les sourds vont hear. Entendre. You must believe it. Il faut le croire. Yeah. You know something? Est-ce que tu sais une chose? People may laugh at you. Les gens vont se moquer de toi. Let them laugh. Laisse-les se moquer. He who laughs last. Celui qui se moque dernier. Laughs best. Se moque mieux. Let them laugh.
For me, people have always laughed at me. Les gens se sont toujours moqués de moi. Yeah. Oui. People have always laughed at me. Les gens se sont toujours moqués de moi. In the ministry. Dans le ministère. When I started trying to pray for the sick. Quand j'ai commencé par la prière pour les malades, je voulais essayer. I started a program called Miracle Days Are Here. J'ai commencé un programme qui s'appelait Les jours des miracles sont arrivés. A pastor saw my program Miracle Days Are Here. Un pasteur a vu le programme Les jours des miracles he sont said, arrivés. Look at him. Il a dit mais regarde-le. He said Miracle Days Are Now Here. Il dit les jours des miracles sont arrivés maintenant. Where did they go? Mais ils sont partis où les The jours? Miracle Days never went anywhere. You les jours des miracles ne sont pas partis. About miracles. C'est toi qui ne savais pas sur connaissais well, rien sur les miracles. No miracle has gone anywhere. Les miracles ne sont pas partis. Miracle days have always been here. Les miracles, les jours de miracles sont toujours, ont toujours été ici. I said, wow. J'ai dit, wow. They were mocking me. Ils se moquaient de moi. They were mocking my miracles. Ils se moquaient de mes miracles. When I started praying for the sick, quand j'ai commencé à prier pour les malades, I used to have my pastor sitting on stage. Les pasteurs étaient sur l'estrade derrière moi. When I started praying, et quand j'ai commencé à prier, Jesus, oh, Jésus. And I look back. Je regarde derrière. My pastors were asleep. Les pasteurs dormaient. It's like they were waiting for me to finish. C'est comme s'ils attendaient que je termine. I felt so discouraged. J'étais découragé. So I removed all the chairs Donc, from the stage. J'ai enlevé toutes les chaises de l'estrade. And I put flowers there. Et j'ai mis des fleurs. The flowers cannot sleep. Les pots de fleurs ne peuvent pas when dormir. I'm praying for the sick. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. God is going to use you. Dieu va t'utiliser. In the pathology department. Dans le département de la pathologie. The dead. Les morts. I said the dead. Les morts. They will rise in your ministry. Vont se ressusciter. When somebody is dead. Quand quelqu'un est mort. They will call you first. Ils vont t'appeler d'abord. Wow. Do you believe it? Est-ce que tu le crois? Are you sure you believe it? Est-ce que tu es sûr que tu crois? When you see something in the Bible, quand tu vois quelque chose dans la Bible, it doesn't seem to apply to you. On dirait que ça ne t'implique pas à toi. Don't say it is not true. Ça ne te concerne pas. Il faut pas dire que c'est pas vrai. Don't change it. Just read it quickly. Ne change pas, lis-le vite. And pray about it. Et prie par rapport à cela. One day, un jour, I realized that the dead was not being raised in my ministry. Je me suis rendu compte. J'ai réalisé qu'il y avait pas de mort ressuscité dans mon ministère. And I discussed with a brother. Et j'ai discuté ça avec un frère. And he agreed that the dead were not being raised. Et il s'est mis d'accord. Il a dit oui, c'est vrai que les morts ne sont pas ressuscités. So I said to him. Donc je lui ai dit. We must raise the dead. Nous devons lever les morts, soulever les morts. Any dead you find. Quand tu trouves un mort, un cadavre. We shall raise him. On va le ressusciter. Wow. Wow. And. Not that luckily, but it happened. Mais il est arrivé. My friend's father died. Le père de mon ami est mort. And I said, he shall rise from Et the dead. Et je me suis dit, il va ressusciter. They came to call me. Ils sont venus m'appeler. From the house. De la maison. They came to pick me with a Mercedes Benz. Ils sont venus me chercher en Mercedes. Yeah, the father's Benz. La voiture du père. And drove me et ils m'ont conduit to the hospital ils m'ont amené à l'hôpital where his father had just died. Où son père venait de mourir. It was my friend. C'était mon ami. When I got to the hospital, quand je suis arrivé à l'hôpital, I said, what did Jesus do? J'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce que Jésus a fait? He asked all the people to go out. Il a demandé à tout le monde de quitter. So I said, all of you go Donc out. Donc j'ai demandé, tout le monde sort. Wow! Wow! All of you out. Tout le monde sort, tout le monde dehors. And they all went out. Ils sont quittés. Ils ont, and tout le monde est sorti. J'étais avec mon ami. And his friend. Et ses amis. A couple of us. Quelques personnes. And I said, let us pray. Et j'ai dit, prions. They were preparing the body to take it to the mortuary. Ils préparaient le corps pour l'enlever à la morgue. They tied his hands. Ils avaient attaché les mains. Put a plaster on his chest. Ils ont mis le plâtre. And wrote his name pansement sur sa poitrine.
We prayed and prayed and prayed. On a prié, prié, prié. He was not waking up. Il ne se levait pas. Hey. Hey. I was getting desperate. J'étais désespéré. And I heard the nurses knocking outside. Et j'ai entendu les infirmières frapper. Ouvre, ouvre. So I told my friend. J'ai dit à mon ami. When Peter went to the temple. Quand Pierre est allé à la temple. And he saw the cripple. Il a vu le paralytique. He stretched out his hand. Il a tendu la main. And he said, il a dit, lève-toi. Wow. So I said, untie his hand. Donc j'ai demandé qu'on enlève le fil autour de ses mains. They untied his hands. On libère les mains. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Mr. So and so. Monsieur. Rise. Lève-toi. I pulled him up. J'ai tiré. He did not rise. Il n'est pas levé. Il s'est pas levé. Then the nurses were knocking on the et door. Et les infirmières frappaient. Toc 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 toc. Ouvre. I told my friend. J'ai dit à mon ami. These people have no faith. Ces hommes-là n'ont pas de foi. Open sans the door. Foi. Il faut ouvrir la porte. So we opened the door. On a ouvert la porte. And we went out. Et on est sorti. We escaped. On a échappé. From the hospital. On a échappé de l'hôpital. But I believed. Mais je croyais. That. This, wait, don't clap yet. N'acclamez you can laugh pas. If you want to laugh. I don't mind rire, if you laugh mais at me. Il faut pas, vous pouvez rire. Later on. Plus tard. My this same friend. Cet ami, ce même ami. He called me. Il m'a appelé. He said, I have found another dead person. Il a dit, j'ai trouvé encore un mort. I said. No problem. J'ai dit pas de problème. I will be there. J'y serai, je serai là. So I went. Donc je suis allé. I said, where is the dead person? J'ai dit mais où il est le corps? This way. Ils ont dit suivez. We went down. On est entré. We got to a house. On est arrivé dans when une I maison. Entered the house, quand je suis entré, it was a child. Il y avait un enfant. Has just died. Qui venait à peine de mourir. I said, when Jesus came to a place. J'ai dit quand Jésus est entré quelque part. He asked all the people crying. Il a demandé de ceux qui pleuraient de quitter. Go out. J'ai demandé you see, qu'ils I sortent. Want to experience the Bible. Moi, je veux expérimenter ce qui I se passe dans la Bible. Laugh at me. Ouais, peu importe si tu te moques hey. De moi. Hey. When I touched the body, quand j'ai touché le corps, he was cold. Il était froid. He had been dead for some time. Il était mort depuis un temps. This one was easier to pull out. C'était plus facile de soulever ce petit. He would not rise. Mais lui aussi ne se hey. Levait pas. Hey. We were there praying. I didn't, on était là en train de prier. I didn't know how to escape. Je savais pas comment m'échapper. Suddenly I heard. Encore open. J'ai entendu frapper. Ouvre. The men had come with cutlasses. Les hommes sont arrivés avec des machettes. I told my brother. J'ai dit à mon frère. These people have no faith. Ces hommes-là n'ont pas de foi. We escaped. Il faut qu'on échappe. On est échappé. That was the second time. C'était la deuxième fois. The third time. La troisième fois. I went for a crusade. J'étais allé à une croisade. This time, cette fois-ci, there was a child. Il y avait un enfant. Dead. Qui était mort. They took the child to the clinic. L'enfant a été amené à la clinique. The child was declared dead. L'enfant a été déclaré mort. And brought to the crusade. Mais on a amené cet enfant à la croisade. When I was praying, quand je priais, the power of God came on la the child. Puissance de Dieu est tombée sur cet and enfant. The child rose up et l'enfant the s'est levé. And the mother la mère brought the child a amené l'enfant on the stage, sur l'estrade crying. Elle pleurait. I can show you the video. Je peux vous montrer les my vidéos. Child was dead. Mon enfant était mort. The whole city heard about toute it. La ville a entendu parler de the cette next miracle. Day, le lendemain they came more ils sont dead venus beaucoup plus ambulances, de morts d'ambulances avec des cadavres. They said, I am coming to raise the dead. Parce qu'ils ont dit que je suis venu ressusciter les morts. When I got there, quand je suis arrivé, they told me there is a dead man here. Ils ont dit il y a un mort juste à côté. I said, where is he? J'ai dit il est où? He said, he's just by the stage. Il a dit il est juste à côté de l'estrade. So I went. Donc je suis allé. And there, et là, a man, il y avait un homme. Like this. Il était comme ça. With a white bedsheet. Avec un drap blanc. Up. Juste. I look à la at him. Je l'ai regardé. I said, I remember the hospital where I went to. Je me suis no. rappelé de l'hôpital où j'étais. I will wait for God to move himself. Mais je vais attendre que Dieu agisse lui-même. Yeah. Wow. Wow. Listen to me, my écoutez-moi. Friend. You see, when I talk,
quand je parle, I realize that I have seen all at least one before. J'ai dit, je me rends compte que have j'ai you vu seen tout, one before? Tout, presque tout. Have you seen one before? Au moins you may, un you miracle. May laugh at me, but tu I've peux, seen the dead te, raised. Tu peux te moquer de moi, mais tu yeah. n'as rien whole vu dans stadium, ton ministère. The whole stadium was full. Le stade était rempli. More wheelchairs. Il y avait des chaises roulantes. More than 5,000 wheelchairs. Plus de 5,000 fauteuils roulants. Ambulances, the cars. All the cars were ambulances. Des ambulances, c'est toutes les voitures qui se trouvaient là-bas étaient des ambulances. The whole city was gathered there. La ville entière yeah, était I've rassemblée. Seen it before. Je l'ai vu. You see, if you are not ashamed. Si tu n'as pas honte. If you are not too big. Si tu n'es pas trop grand. You will see a lot of things that are written in the Bible. Tu verras beaucoup de choses because qui sont dans la Bible. Each example that I'm giving you. Parce que ces exemples que je vous whether donne. Whether it is the eye. Si c'est les yeux, or the dead, ou le, la or mort, the woman with the issue of blood, ou la femme avec le, la perte du sang, or the deaf and dumb, ou le sourd muet, I've seen it, je l'ai vu, seen it, et je l'ai and vu I've seen it, encore and I've seen it. Et encore. Hallelujah. Encore, hallelujah. But what about you? Et toi? What about you? Et en ce qui te concerne, God is telling you, Dieu est en train de te dire, your ministry, ton ministère, will be amplified, sera amplifié. Look, have you noticed something? There are some new prophets who are in town. Écoute, est-ce que tu as remarqué quelque chose? Il y a des nouveaux prophètes qui sont en ville. What do they have? Qu'est-ce qu'ils ont? That you don't have. Que toi tu n'as pas. They have more manifestations. Ils ont beaucoup plus de manifestations. And miracles. Et des miracles. Yeah. Some of them have never been to school before. Certains d'entre eux n'ont jamais suddenly, fréquenté l'école, mais suddenly, tout d'un coup, their rooms are full. Leurs chambres sont remplies. While you are still struggling et toi, tu te bats toujours with your 7 points on avec Sunday morning. Les 7 points le dimanche matin. You are like a university lecturer. Tu es comme un prof de l'université, un professeur. Yeah. These days, a lot of information on the internet, so your 7 points are not new. Il y a beaucoup d'informations sur l'internet, donc les 7 points que tu as ne sont pas des nouveaux points. Yeah. Yeah. What do the prophets have? Qu'est-ce que les prophètes ont? Yeah. They see. Ils voient. It's a manifestation. Il y a une manifestation. They have miracles. Ils ont des miracles. Yeah. If you are not shy. Et toi, si tu n'as pas honte. If you are not too big. Si tu n'es pas trop grand. You will have it practically. Tu l'auras aussi pratiquement. I tell you, I know what I'm talking about. Je sais de quoi je parle. Je It's te what dis. I've seen practically C'est ce que in j'ai my vu life. Pratiquement dans ma vie. When I talk about transforming your ministry, quand je parle de transformer son ministère, I want to tell you something you may not je know. Vais te dire que quelque chose que tu ne connais pas peut-être. I started my ministry in a classroom. J'ai commencé mon ministère dans une salle de classe. I also, my church is founded in a classroom. Moi aussi, j'ai démarré mon église dans une salle de classe. I've had a classroom church for years. Pendant des années, j'ai eu mon église dans une salle de classe. When I tell you that your ministry can be transformed. Quand je te dis que ton ministère peut être transformé. I'm explaining to you that. Je t'explique. From that classroom. Que de cette salle de classe. God can transform. I say it can be changed. Dieu peut transformer. Ça peut être changé. From a changé d'une salle de classe. Just in a few people. Juste quelques personnes. Into a very big thing. Pour être quelque chose de très grand. Pratiquement. I say practically. Je dis pratiquement. When I say transform. Quand je dis transformer. When I say amplify. Quand je dis amplifier. Amplify. Amplifier your ministry. Le ministère. Like it get bigger. Ça devient plus grand. Yeah, that's what God wants to do c'est for ce que you. Dieu veut faire. That's what God is planning to do with c'est your ce life. Dieu planifie, il veut faire amplify, dans ta vie. Transform. D'amplifier, oh, yeah. De transformer. Yeah. My church was in a classroom. Mon église se trouvait dans une salle de classe. With classroom chairs. Avec des chaises pour les a enfants. Classroom with 30 chairs. Avec 30 chaises dans une salle de classe. That was my church. Ça c'était mon église. Was there. C'était là. First year. Second première année, year, deuxième, third year, troisième, we were there. Nous étions là. Yeah. In the canteen. Dans une cantine, yes. Un restaurant. God has transformed my Dieu ministry. A transformé That's mon been ministère. Amplified. Ça a été amplifié. Yeah. Yeah. Made bigger. Ça a été rendu plus grand. I expanded to countries. C'est maintenant dans beaucoup de pays. Nations. Des nations. Yeah. Oui. Different places. Différents it's endroits. C'est possible. It's possible. C'est possible. I said it's possible. Je dis que c'est possible. God is going to do it for Dieu you va practically. Le faire. Dieu va le faire pour toi. It is your turn to have a mega ministry. C'est à ton tour d'avoir un ministère in the name of méga Jesus. Au nom de Jésus. Yeah. Manifestation. Des manifestations. And
all, des miracles. All you need is don't be shy. Tout ce dont tu as besoin, c'est de ne pas être timide. Don't be shy. De ne pas être timide, de ne pas avoir honte. Yeah. Don't think of who approves of you. Ne pense pas qui tu es. One day I was watching Benny Hinn. He was being interviewed by Larry King. Larry King. Un jour, je suivais Benny Hinn à la télé. CNN, il était interviewé par Larry King. And Benny Hinn was criticized so much. Et Benny Hinn avait été tellement critiqué. They said, we are going to open the phone line so anybody can call Benny Hinn in the next 5 minutes. So I was watching to see what's going to happen. Ils ont décidé de ouvrir faire appeler les gens. Tout le monde pouvait appeler pour parler avec Benny Hinn. Je voulais voir ce qui devait se passer. When Larry King finished asking him his question, he said, anybody can call. Et quand il a terminé avec les questions, il a dit, tout le monde peut appeler. N'importe qui. First person who called. La première personne qui a appelé. I'm calling from Bahrain or Saudi Arabia. I'm dying of cancer of this. Can you pray for me? J'appelle de Arabie Saoudite. Je meurs de cancer. Est-ce que Benny Hinn peut prier pour moi? The next person I'm calling for France. I'm dying of this disease. Please pray for me. La personne suivante a appelé de la France. Il dit, je meurs de cette maladie. S'il te plaît, prie pour moi. Not even one person criticized him. Même Everybody pas une want, personne a critiqué. Pray Tout le monde me. Cherchait I, la yeah. prière. You see, you don't know the suffering that is in this world. Tu sais, tu ne connais pas, tu ne sais pas la souffrance qui existe dans ce monde. The day you become a center for healing and miracles. Le jour où tu deviendras un centre pour la guérison et les miracles, le monde entier viendra te voir. Le monde entier viendra t'écouter. And your ministry will be amplified. Et ton ministère sera amplifié. Amplified. Amplifié. Amplified. Amplifié. I want to put this book in your hand. Je veux mettre ce livre dans ta main. I want you to eat it. Je veux que tu l'avales. And enter. Et que tu entres. Without shame. Sans honte. The ministry. Dans le ministère. Of miracles. De miracles. And manifestation. Et de manifestation. Of the Holy Spirit. Du Saint-Esprit. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. One day. Un jour. I'm just ending with this terminer. One. I went somewhere to preach. Je suis allé quelque part prêcher. It was a very powerful message. C'était un message très puissant. And the Holy Spirit has told me, pray for the sick. Le Saint-Esprit m'avait demandé de prier pour les malades. But mais I did not want to. Mais je ne voulais pas. Because the devil told me. Parce que le diable avait dit. You have preached a nice message. They even stood and clapped when I was preaching. Tu as prêché un bon message. Les gens se sont levés pour acclamer. Normally, people don't stand and clap. Normalement, les gens ne se lèvent pas pour acclamer quand je prêche. But that they were clapping. Mais ce jour-là, ils ont acclamé. I felt so happy. J'étais content. Then I was going to pray. The devil said, "Look, le diable a dit, you are about to spoil a very nice thing that tu has es happened. Sur le point de détruire quelque chose de très bien qui s'est passé. But it is not true. Mais ce n'est pas vrai. That was the first time I was ever going to pray for the sick outside. Ghana. C'était la première fois que je devais prier pour les malades en dehors du Ghana. I was not about to spoil my ministry. Je n'étais pas sur le point de détruire mon ministère. I was about to amplify my J'étais ministry. Sur le point d'amplifier. I was about mon to ministère. Amplify my ministry. J'étais sur le point d'amplifier mon ministère. That is what I was about to do. C'était and I did it. Et je l'ai fait. C'était ce que je devais faire et je l'ai fait. I saw miracles. J'ai vu des miracles. After the service. Après le culte. I was standing on the car park. J'étais sur le parking. A lady came to me. Une femme est venue vers moi. And I was wondering, what is this lady coming to do? Je me demandais qu'est-ce qu'elle cherche cette dame. She was holding a baby. Elle avait un bébé en main. She said, Pastor. Elle a dit, Pasteur. I wanted to tell you. Je voulais te dire. My baby. Mon bébé. Had only one testicle. Avait seulement un testicule. Everything has been done by the doctors. Tout ce que on pouvait faire a été fait par les médecins. She has only one. Mais il avait un seul. When this morning, when you laid hands on my baby, ce matin, quand tu as imposé les mains sur mon bébé, I immediately went out and took off the immédiatement, clothes. Je suis allé dehors pour regarder dans la couche. Now my baby has two. Maintenant, il testicles. A deux testicules. Just now, juste it happened. Maintenant, ça s'est arrivé. You see, I was just about to amplify my ministry. Voyez, and the devil said, you are just about to spoil your ministry. J'étais sur le point d'amplifier le ministère, mais le diable m'avait dit que tu es sur le point de détruire ton ministère. Wow. Wow. I see this happening to you.
threatened. Je vois ça, cela t'arrive. T'arriver dans ton ministère. Lift your hand and receive the anointing for a new dimension to transform and to amplify your ministry in the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Thank you for amplification, transformation. Transformation. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Oh, yes. Hallelujah. Place la main sur le cœur. Father, thank you. We receive. Père, nous te remercions. Nous recevons. If you believe God wants to touch you with such an anointing, si just let me just pray. Si tu crois que Dieu veut te toucher avec une telle onction, viens devant. I know many of you are Je sais que beaucoup de personnes viendront stand devant. Here for one moment. Reste là pour une minute. If you don't get far, just stand. Lift your hand where you are. Ne montez pas. Lift your hand where you are. Levez la main. Father, thank you. Père, merci. Thank you. Père, merci. Thank you. Merci, thank you. Père. Merci, Père. Receive the amplification. Reçois l'amplification of your ministry. De ton ministère. Now in the name maintenant, of Jesus. Maintenant, au nom de Jésus. Now in the name maintenant, of Jesus. Maintenant, au nom de Jésus. Receive it now. Reçois maintenant. Now. Maintenant. Be transformed. Sois transformé. From a school teacher. D'un enseignant. A teacher of points. Un enseignant des points. To a miracle worker. Quelqu'un qui fait des miracles. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Receive it now. Reçois-le maintenant. The power of God. La puissance de Dieu. The grace of God. La grâce de Dieu. The grace of God. La grâce de Dieu. For miracles. Pour les miracles. Receive it now, everybody. It's happening. It's falling. Ça commence. The grace of God. Ça your commence. Ministry is being transformed. Ton ministère est en train de recevoir une transformation maintenant. Right now. Maintenant. Right now. Maintenant. Miracles. Des miracles. Manifestations. Des manifestations. Eye miracles. Des miracles des yeux. Mental miracles. Des miracles de gynecological miracles. Des problèmes gynécologiques. Born miracles. Des miracles des all kinds of miracles. Toutes sortes de miracles. Receive it in the name Reçois of Jesus. Le nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. For strengthening us. De nous fortifier. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. You may go back to your seat. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez rentrer, retourner à vos places. Wow. Listen. Écoutez. I want us to do something. Je veux qu'on fasse quelque chose. Very quickly. Très rapidement. Amen. Amen. You know, sometimes when you want something, the Bible says. Vous savez, une fois, quand vous cherchez quelque chose, la Bible dit. Said to Cornelius, your prayers and your alms have ascended to God. La Bible, Paul a dit à Cornelius, tes prières et tes offrandes sont montées vers le Seigneur. Amen. Amen. Your prayers, ta prière, and your alms. Et tes I want offrandes. Us to sow a seed. Je veux que l'on sème towards a miracle ministry. Pour un ministère de miracles. Amen. Amen. One day you will be received like Jesus Christ is being received. Un jour tu seras reçu comme on reçoit Jésus Christ. You'll be received as a miracle working. Tu seras reçu comme quelqu'un qui fait des miracles. God is going to change your ministry. Et Dieu va changer ton ministère. God is amplifying your ministry. Dieu est en train d'amplifier son ministère. Your ministry. Et en train d'augmenter ton ministère. I want everybody. Je veux que tout le monde take out a special seed as a prayer. Prenne une offrande comme une prière. Towards miracle ministry. Can I have some baskets in the front as Est-ce well? Est-ce que je peux avoir big des ones. Paniers? I want the big ones for the front. Just a couple of big ones. Okay. If you have just these ones here, it's fine. Put like four baskets here. All those in the first like 10 rows, you can put your offering in front here. It's faster. Ceux qui sont dans les 10 premiers rest, rangées, the baskets are coming vous to allez you. Donner vos offrandes devant, mais pour le reste, les offrandes seront prises par les huissiers. Wow. Believe God that it's a prayer.
Croyez à Dieu que ça, Lord, cette offrande c'est une prière. Change me. Look, how many pastors are tired of being like a school teacher in a classroom? Combien de personnes sont fatiguées d'être comme des enseignants dans une salle de miracle classe? Ministry. Put it in the front. Semez it pour in the un miracle. What a blessing for you. My God. Un ministère de miracle. My God. My God. Ashes, receive the offering. Non, ceux qui sont devant seulement, s'il vous plaît, les 10 premiers rangées, ne venez pas de derrière. S'il vous plaît. Ashes, start from there, towards the middle there. Take all the bags around, all over. Wonderful. What a morning.